Fresh Morning. Kiabi, la marque de mode à petit prix pour toute la famille, arrive au Gabon. Venez découvrir les collections tendances pour habiller toute la famille sans vous ruiner. Femmes, hommes, enfants, bébés, il y en a pour tous les goûts. Découvrez nos t-shirts filles ou garçons à seulement 3500 francs CFA ou encore ces barboteuses à 4500 francs CFA pour vos tout petits. Craquez pour notre collection de t-shirts hommes à partir de 5500 francs CFA ou cette robe colorée à 6900 francs CFA. Chez Kiabi, la mode rime toujours avec petit prix. On reçoit donc Nelio qui nous revient tout droit de la France et Nelio qui va donc entamer une grosse campagne promotionnelle pour son art, c'est ça. Nelio qui est avec nous, Nelio, bonjour. Bonjour le Gabon, bonjour Dafresh Morning, bonjour Dafresh. Comment tu vas? Je vais très bien, ça fait plaisir. Bien à la forme? Pour moi à la forme, ça fait plaisir d'être chez soi. Ah bon? Mais qui t'a d'abord dit de partir? Alors Nelio, toi t'es un gars qui est là depuis, tu as commencé, tu t'es fait connaître avec un titre qui a vraiment marché, Ma meuf et ma cousine. Ma meuf et ma cousine, après tu as upgradé avec le titre Elle, aujourd'hui tu es du côté de la France, et comment t'as un peu vécu ce changement d'espace? J'avoue que c'était un peu chaud parce qu'en gros quand je suis arrivé en France, il fallait s'adapter sur leur culture, il fallait danser sur leur rythme. C'était un peu compliqué, mais ça m'a pris vraiment du temps pour me retrouver et poser mes assises, en fait. Tu avais des frangins devant là-bas qui t'attendaient? Non. Qui t'ont montré un peu les tuyaux? Non. Est-ce que tu es parti pour la musique ou bien parce que tu es parti comme ça sur un coup de tête, hein? Ouais, à la base, je suis parti sur un coup de tête. C'était pour une tournée française, je ne veux pas dire européenne. Et organisé par un gros label d'événements. Et du coup, dans la vie, comme Dieu met toujours des chances à disponibilité, donc du coup, j'ai saisi ma chance de rencontrer des gens qui bossent avec moi. Et ensuite, il y a la vie privée aussi qui s'est installée, vu qu'aujourd'hui, je suis père d'un petit. Voilà, donc il fallait s'occuper. En fait, tu es allé pour chercher ta life? Non, je ne suis pas allé pour chercher ma life. Du coup, j'étais censé rentrer. Et après le travail, mais vu que j'attendais un enfant aussi en même temps, et c'est mon premier, je ne pouvais pas partir comme ça de la France et rentrer en fait. Donc du coup, je me suis engagé à rester et en même temps, je continue le travail derrière. Est-ce que tu as pensé à tout ce que tu avais déjà comme bagage artistique en partant et que tu avais déposé ça avec qui quand tu partais? Ça a été un peu mon erreur, le fait de ne pas déposer mon bagage artistique à X et Y. Et c'est la raison pour laquelle je suis là-même. Ah d'accord, donc tu es revenu sur tes pas, essayer de remettre tout en ordre. Oui. Qu'est-ce que tu as pu produire du côté de la France? En termes musical, mais aussi qu'est-ce que tu as pu observer dans la manière de faire les choses là-bas? Surtout en ce qui concerne la musique, bien sûr. Elle est vraiment, vraiment, vraiment différente. Alors on a la culture, on a un internet aussi qui est vraiment un gros moyen de communication parce que les gens, c'est plus internet. Et en dehors de ça... C'est comme je disais en fait, il fallait vraiment... Là, tu fais un son au studio et puis tu prends le son, tu envoies chez Dafresh. Oh Dafresh, passe-moi le son à la radio. C'est comme ça que ça se passe là-bas? Ouais, on peut dire... Non mais c'est pas comme ça quand même, c'est chaud quand même. Il y a une grosse paparasse à établir pour que tu sois joué. C'est hyper compliqué quand même franchement, mais après c'est bien, c'est enrichissant pour... nous artistes quand même. Mais du coup, qu'est-ce qui était plus attirant pour toi démarrer une carrière en France dès le départ, genre en partant de zéro, tout en sachant que tu partais du Gabon, tu avais déjà construit certaines choses? Qu'est-ce qui était plus intéressant en partant en France? On met la vie privée de côté, hein. Qu'est-ce qui était intéressant si c'est aussi compliqué avec toute cette paperasse? Qu'est-ce qui était intéressant à prendre là-bas en fait? Qu'est-ce qui t'a séduit? Ce qui m'a séduit, c'est moi en gros, je voulais vraiment avoir une visibilité dans ma vision. Aujourd'hui, je vais prendre un exemple. On voit Aubameyang qui évolue vraiment dans sa discipline. C'était pour moi aussi, en fait, une inspiration de lui pour essayer de l'établir, essayer de le mettre sur ma vie pour développer vraiment à la recherche de la visibilité, à la recherche du changement en fait. Parce que moi aujourd'hui, j'aime pas trop faire du sur place. Et c'est ce qui m'a encore motivé encore à dire, bon là, on va se tester. Comment c'était un nouveau challenge pour moi. Et du coup, je suis sorti là vraiment avec, vraiment rempli en fait. Et en gros, pour moi, c'est... Je vais dire ça comment? C'est... le mot me manque, je vais revenir sur ça. Merci. Est-ce que c'est fastoche le système musical? Tu arrives en studio et tout le reste. Tu as eu des gens qui t'ont entraîné, qui t'ont pris par la main pour essayer de te montrer comment ça se passait? Ou bien tu t'es battu tout seul?
À la base, d'abord, j'étais tout seul. Il fallait d'abord me renseigner, d'abord, avoir plus d'informations, comment la chose se passe du côté de la France. Et après, j'ai eu des gens qui sont venus vers moi, qui sont intéressés et tout, comme le jeune label Black Star Music, voilà, qui fait bien ses preuves en ce moment du côté de Bordeaux. Et voilà, c'est arrivant en France, quel est le premier son que tu sors? Arrivant en France, c'est oublié. Mais je pense que j'avais déjà clippé Je sais qui était une coproduction de Célio et Flo. Voilà, j'ai oublié un peu le nom du label. Mais ouais, après, j'ai sorti mon premier son officiel sur la France et oublié. C'est quoi l'histoire d'oublié? Oublié, c'est une guerre de religion entre couples. Voilà, dans lequel un chrétien et un musulman se retrouvent dans une relation qui est la musulmane qui implique, en fait, qui insiste aux chrétiens de se convertir dans l'islam. Ça a un petit peu, le fait d'être en France a un petit peu impacté sur les thèmes que tu abordais aussi et sur tes chansons, parce que les guerres de religion chez nous, est-ce que c'est vraiment aussi présent, ou c'est vraiment parce que tu voulais avoir quelque chose d'international? Non, il est tombé sur une musulmane là-bas en France et il a bu le choc. Hein, c'est ça en fait, parce que là-bas c'est prononcé, et là en ce moment il y a un gros débat sur la laïcité en France. Oui, ici c'est pas aussi prononcé que chez eux, ou c'est parce que tu voulais donner une ampleur internationale à ta musique? Je pense que c'est les problèmes que vit la société française en fait. Et on a plus des Arabes, on a plus des Noirs. Et c'est un peu ça en fait. Parfois dans des couples, c'est assez compliqué. Il faut se convertir. Plus les Arabes et les Noirs, il faut se convertir. Il faut quitter l'islam. Il faut se mettre à la religion chrétienne, excuse-moi. Donc c'est un peu ça. Ça m'a beaucoup inspiré. J'ai sorti le titre oublié. Et ce titre-là qui était vraiment joué par une grosse radio un peu comme Urban FM, ici qui est la même chose en fait, là-bas du côté de Bordeaux, qui était vraiment hyper bien joué. Et elle s'appelle comment la radio? Enjoy 33. On écoute ça. On est à terre. T'es pas dans les débats des laïcités. Ton problème, c'est que c'est la religion qui empêche ton amour, quoi. Tu veux pas savoir s'il faut porter le voile ou pas. C'était ça ton. Tu as trouvé quoi comme solution dans ta chanson, bien sûr? Dans ma chanson, tu as toujours des solutions bizarres. Hein. Ma meuf et mon amour, la fille, c'est ma meuf. Et c'est ça qui fait ma cousine. C'est ça qui fait Nelly en fait. C'est que moi, en gros, c'est difficile pour moi d'écrire sur des choses qui ne rentrent pas dans mon vécu en fait. Ça peut être un cousin ou encore un voisin qui vit la chose. Et du coup, moi, je l'exploite en fait. En gros, je suis un relateur en fait. J'essaie un peu de sortir des sujets comme ça qui nuisent un peu dans notre société. Voilà. Et après, sur le morceau, le mec il a fui, hein, parce que c'était un peu chaud pour se convertir aussi à l'islam, parce qu'il n'était pas prêt. Si c'était toi, tu te serais converti? Par amour, non, par contre. Pourquoi? Parce que l'amour, on dit que l'amour déplace les montagnes. Ouais, mais l'amour fait. Après, on a nos bases aussi. Hein, quand on grandit dans une famille chrétienne, c'est difficile de dire bon, tu vas plus manger du porc, tu vas plus faire ça, adopter. Moi, j'aime bien le jambon, bien. Donc du coup, c'est triste, hein, toute l'histoire de la conversion tourne autour du jambon. Non, c'est une blague. Donc du coup, c'est ce titre-là qui a permis de me révéler d'abord dans ma ville d'abord, qui est Bordeaux, qui m'a fait rentrer dans une grosse scène avec Axel Tony et Keblack, organisé par le festival Enjoy 33 à Aizine qui s'est passé récemment, et ça m'a ouvert vraiment les portes. Les gars du milieu artistique qui t'ont rapidement adopté là-bas? Oui. On t'a pas mis les bâtons dans les roues, les cales et tout ça? Non, c'est un Gabonais, il faut que... Non. Un thème de feu et tout ça. Après, ce qui m'a beaucoup sauvé, comme je dis, actuellement, je suis beaucoup joué sur plusieurs radios de la place. Et vu le travail aussi, l'organisation, je pense que c'est clean en fait. D'accord. Aujourd'hui, je remplis bien les salles, je remplis bien les boîtes de nuit. Voilà, et ça se passe bien pour Nelio. Après Oublié, tu es passé à quoi comme son? Après Oublié, je suis passé à Amina, dans lequel j'ai donné un peu de la force à mon petit frère qu'on appelle Luigi, qui est du côté de Bordeaux. Voilà. Vous êtes toute une association là-bas en fait. Ouais, on essaie un peu de donner un peu la visibilité à toute personne. C'est un Gabonais qui vit. Oui. Comment tu organises les productions de toutes tes chansons? Tu travailles avec un studio fixe en particulier, avec un beatmaker en particulier, ou c'est vraiment genre aujourd'hui je travaille ici, demain je travaille là-bas? Par contre, dans le beatmaking, c'est un peu trop compliqué en fait là-bas. Les gens, ils ont du mal à faire l'afro. Après, c'est pas tout le monde. Les gens qui font l'afro, c'est plus à Paris et ça coûte vraiment cher.
Mmh. Et ce que moi je fais, c'est que je travaille avec des Ghanéens qui m'envoient des musiques. Je travaille avec des Gabonais. Exemple, sur le morceau Oublié, c'est Darcy qui a fait le beat. Mmh. Et voilà. Et là, c'est un jeune beatmaker gabonais qui a fait, qu'on appelle Ridolf, qui a fait l'instrumental en fait. Donc après, tu sens que c'est Kinda là-bas le colo pour bailler les instis. Ouais, c'est hyper chaud quand même pour faire des programmations. Et après, je ne sais même pas si tu as donné le pognon à Célio pour la prod de L. Ah oui, hein, moi je suis toujours ponctuel. Et après, comme on dit, en fait, la vraie coloration, la vraie musique afro, c'est ici. Voilà, les gens, ils vont des grosses maisons de production, ils vont faire monter des ingénieurs pour aller travailler là-bas sur les artistes. Mais c'est vraiment ici en fait. Et voilà. Super, on va regarder le clip. J'ai rencontré une fille belle, raffinée au calme, on ne sait jamais, elle pourrait être la femme de ma vie. La petite est bonne, bien en place et intelligente, mais elle est un peu trop matérialiste. Première invitation, direct si on le bar. Au moment de régler l'addition, je la vois fouiller son bag. Je fais mon méga lange, en bébé laisse, je vais bailler, elle me répond sérénement. Je t'ai dit que j'allais bailler. Elio sur les 104.5 Urban FM. Elio, vous avez un problème avec les filles matérialistes? Non, les mecs ont un problème avec les filles en général. Ça tourne toujours. Je comprends pas, si tu sais que t'as pas le pognon, pourquoi tu démarres une meuf? Ah, voilà. Pourquoi tu lui as pas dit ça avant de faire le son? Je ne sais quoi reprendre. Si tu sais que tu n'aurais pas d'argent de carburant, n'achète pas une voiture. Mais c'est logique. C'est logique. Hein? Oui, c'est logique. Donc, c'est ça l'histoire du son en fait. Oui, vous êtes capté comment? Ce qui est bien avec lui, c'est que c'est un artiste poulie et très discipliné aussi. Donc, du coup. Son équipe est venue vers moi, ils m'ont dit, bon voilà, Nelio, on aimerait avoir un peu plus de visibilité. Enfin, en gros, c'est un jeune label qui essaie un peu de faire... De monter. Voilà, de monter un peu. Et il m'a dit, bon voilà, Nelio, tu viens de là-bas et tout, on apprécie ce que tu fais. On aimerait bien, en fait, avoir un featuring avec toi. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Et j'ai kiffé sur la musique et on s'est lancé sur le projet. D'accord. Est-ce qu'arrivant à Paname, ça t'a permis toi-même de voir tes manquements? Grave. Grave. Qu'est-ce que t'en as fait pour réparer ça? Comme lesquels d'abord? Quel manquement tu as? Le manquement d'abord, c'est surtout pour se mettre à l'international en fait, sur le marché français. Du coup, il faut vraiment changer comment on appelle ça, la manière en fait d'exploiter les thèmes et être vraiment audible en fait. Voilà, c'est ça. Moi, parce que c'est que j'ai vraiment retenu. Et du coup, pour vraiment... Les gars, ils n'entendaient pas ce que tu disais dans elle. Hein. Aujourd'hui, c'est quand tu... Même dans la société, quand tu vas parler en Boma, en Gabonais, lui, il ne va pas capter. Ah, d'accord. S'il va dire, bon, écoute, ouais, je vais à Urban FM. Bah ouais, là, je vais à Urban. En fait, il y a un accent, en fait. Je pense, hey, c'est une Française. Elle pourra peut-être dire plus de choses, en fait. Je me permets de rebondir. Enfin, la problématique entre le marché, même, je veux dire, africain et le marché européen, c'est l'accent. C'est-à-dire que les termes qui seront employés, par exemple au Gabon, ne seront pas captés par le public français. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas d'accroche parce qu'ils ne vont pas comprendre, ils vont pas comprendre la façon de parler. Le dialecte qui est sur place, ça ne va pas être compris. Donc la complication, c'est là. C'est-à-dire qu'il il a amené en fait une vibe, une façon de parler. C'était son être. Il a amené un univers en fait en France, mais qui au départ n'a pas été capté parce que c'est pas culturellement, c'est pas la même chose, c'est complètement différent. Donc il a fallu réadapter les paroles, réadapter sa façon de faire, sa façon de communiquer, sa façon de se comporter, la musique aussi, parce que les sons afro, les beats typiquement afro, c'est compliqué aussi à faire passer au niveau de la France. C'est bien de développer sur un beat en fait, enfin on va dire un juste milieu, et ensuite une fois qu'on a on est notoriété, c'est d'évoluer en fait vers ce qu'on veut vraiment faire. D'accord, et donc vous qui êtes son manager... Je suis effectivement son manager. Ok, vous qui êtes son manager, comment s'est passé le travail, la transition entre le Nelio qui faisait Malady, qu'on entend en fond sonore, et puis le Nelio de maintenant, et quelle est la stratégie, ou pas la stratégie, parce que vous allez dire qu'on ne la dévoile pas, mais disons que qu'est-ce que vous prévoyez en fait, comment vous voyez le Nelio que vous voulez emmener dans les 5 prochaines années par exemple? Le Nelio de elle et le Nelio en fait pour qu'il arrive à ce qu'il est aujourd'hui, ça a été compliqué, parce que comme je disais, c'est un univers, c'est son être, c'est ce qu'il a toujours été. Demander à quelqu'un de modifier tout ce qu'il est, c'est un travail en fait de longue haleine. Mais comme il avait une grosse motivation, il a une bonne dynamique et il avait une réelle volonté d'évoluer. Et quand on est quelque part dans un univers, on se fond dans la masse au final. Donc ça a été effectivement un travail en fait de longue haleine, mais ça s'est estompé en fait dans le temps parce que il a été confronté à d'autres artistes
qui ont porté beaucoup de conseils. C'est ce qu'il y a de bien en fait dans ce milieu-là. Je veux dire, je vais parler au milieu de la France d'abord. C'est qu'il y a une grosse aide sur comment se comporter, sur quelle porte aller toquer, quel plateau faire, comment se développer, quel studio en fait est le mieux. Il y a beaucoup d'aide et il y a beaucoup d'écoute et beaucoup d'échanges entre les artistes et aussi entre les managers et entre les différents labels. Donc ça, toute cette aide-là, on fait qu'on a pu arriver à Nelio d'aujourd'hui. À côté de ça, quelle est la stratégie de communication ? Non, je veux dire, comment vous voyez le Nelio, votre Nelio dans 5 ans ? On voit un Nelio 2.0. Ça veut dire un Nelio beaucoup plus investi sur les réseaux sociaux. Parce que c'est la dynamique qui porte aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on a des artistes en France qui se reconnaissent uniquement avec les réseaux sociaux. Pas de manager, pas de maison de disques, pas de label, rien. Les réseaux sociaux. Donc c'est un Nelio 2.0, mais c'est aussi un Nelio en fait proche de ses fans, de part et d'autre. Mm-hmm. Et c'est un Nelio en fait qui doit évoluer dans sa musique parce qu'il évolue dans sa vie. Un artiste évolue avec sa musique. Donc c'est vraiment en fait, on n'a pas d'attente particulière, si ce n'est en fait bah, qu'il évolue. Tout simplement. D'accord, on a le titre contrat. C'est quoi le concept de titre contrat ? C'est les hommes infidèles. Ouais. C'est les hommes infidèles. Ah bon? C'est aussi sorti en France? C'est aussi sorti en France aussi. D'accord. Voilà. En mars 2019, mais il est tout récent en fait. Il est récent, oui, il est récent. On va regarder d'abord. D'accord. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, on a Nelio ce matin dans le réveil matinal, le pieu de la capitale, sur la radio de la pieu de la capitale. Est-ce que tu as des indicateurs? Est-ce que vous avez des indicateurs, surtout le manager? Vous avez des indicateurs qui montrent que vous êtes sur le bon chemin de travail? Là, ça évolue. Là, on est en train de bien aller. On est en train en fait de bien évoluer. On le voit, les indicateurs, c'est les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de demandes. On a de plus en plus de demandes, que ce soit en fait au niveau artistique, donc des radios. Des émissions. Et les streams, les plateformes de streaming. Exactement. On a aussi, parce que il y a un scale à SACEM, bien évidemment, et on voit en fait les retours, les fruitis de ce qu'on a mis en ligne. Et à côté de ça, on a aussi YouTube. On voit les vues en fait qui évoluent de plus en plus. Quand on voit qu'on passe d'un bond à 30 000 vues et qu'on passe à 50 en même pas deux jours. Et donc c'est un bon tremplin. Après, je voulais ajouter aussi, en fait. Je pense que quand on arrive à remplir des salles, on arrive à remplir des boîtes de nuit, rien qu'à travers nos réseaux sociaux, je pense qu'il y a de l'évolution. Ah, d'accord, ok. Aussi, oui. En tout cas, c'est bien le travail qu'il est en train de faire. Alors, c'est dans ces prochains jours à Libreville, qu'est-ce que tu vas faire concrètement? Le plus important, c'est de venir encore renouer la communication avec mes fans. Et voilà, c'est plus communiquer et montrer les projets qui a été fait là-bas. Il y a des showcases au programme. Il y a pas mal de showcases, il y a pas mal de collaborations aussi avec certains artistes, autant pour moi. D'accord. Et c'est un peu ça le programme. Donc tu es encore là pour un bon bout de temps? Ouais, pour le moment, je suis là. D'accord, ok. Rappelez donc, on est avec Nelio ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Manager, est-ce qu'il y a encore un truc à ajouter? Oui. Quelles sont les prochaines dates? Les prochaines dates, on a vendredi soir. Au niveau des planches, nous avons aussi samedi après-midi. Mais là, c'est d'ordre privé. Pour une cérémonie privée. Oui. On a aussi dimanche au niveau de la résidence Farelda. Pour les dimanches. On a aussi Yuka. Tout en rappelant qu'on a là, on a déjà fait. On était invité par FG à la plage. On est au Boomerang. Il y a les dates qu'une fois qu'ils rentrent. Mais ça bouge, hein? Ouais, oui. Franchement, wow. ça bouge tu en fait. Tu vas partir avec les poches pleines. c'est ça l'objectif, non? Ouais, c'est ça. Et du coup, je vais rebondir sur un point, excuse-moi encore. Notre présence, en fait, parce que nous, on avait un gros souci. On recevait pas mal de messages qui disaient qu'est-ce qui se passe? Voilà, on veut des nouveautés. Voilà, il y a des nouveautés en ce moment. Allez-y sur YouTube. J'avoue que c'est un peu compliqué pour nos frères d'aller sur YouTube avec le crédit comme ça. Ça va tellement vite quand on n'a pas de Wi-Fi. Mais nous, on est là. Et essayer de suivre quand même, voilà. Et essayer d'aller sur YouTube les,
Les produits sont sur YouTube en fait. D'accord, ok, merci donc d'avoir accepté notre invitation ce matin sur les 104.5. Je pense qu'on a fait le tour de la question. On aura peut-être l'occasion de te recevoir dans d'autres conditions. Ici, s'il y a une nouvelle sortie ou une actualité croquante, on va se faire le plaisir de vous recevoir. Merci bien. Merci. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine Nelio. Kiabi, la marque de mode à petit prix pour toute la famille, arrive au Gabon. Venez découvrir les collections tendances pour habiller toute la famille sans vous ruiner. Femmes, hommes, enfants, bébés, il y en a pour tous les goûts. Découvrez nos t-shirts filles ou garçons à seulement 3500 francs CFA ou encore ces barboteuses à 4500 francs CFA pour vos tout petits. Craquez pour notre collection de t-shirts hommes à partir de 5500 francs CFA ou cette robe colorée à 6900 francs CFA. Chez Kiabi, la mode rime toujours avec petit prix. Fresh morning.